Il y a la prééminence, s'en vient juste après la persécution. Parce que la prééminence dans la vie de quelqu'un attire sur sa vie la jalousie, la colère, la haine, l'incompréhension des personnes qui sont autour et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que cet individu-là a presque tout qui marche pour lui. Et surtout quand on comprend la nature de la prééminence, on sait que la prééminence, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, quelle que soit la chose que vous faites, vous finissez toujours par être le premier, soit devenir le premier, soit être parmi les premiers. Amen. La prééminence vous amène à devenir le premier ou à être parmi les premiers. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, on va parler de la prééminence ce soir. Amen. Je vais juste introduire la notion. Mardi 1er janvier 2013, nous allons faire des prières, nous allons poser des actes prophétiques, nous allons proclamer certaines choses. Nous croyons que Dieu va venir encore à notre rencontre. Il ne nous a jamais abandonnés. C'est vrai que nous avons traversé des épreuves. Les épreuves ont un seul objectif, c'est de nous qualifier. Amen. Quand il y a des épreuves, c'est qu'au bout, il y a une qualification. Ce n'est pas nous qui décidons combien de temps vont durer les épreuves. C'est celui qui éprouve qui décide. Donc, il fait comme il veut. Et nous nous alignons. Et nous faisons ce qu'il y a à faire et nous le faisons bien. Et nous devons le faire de mieux en mieux. En se disant que celui qui a commencé l'épreuve ou celui qui a fixé l'épreuve a fixé un temps pour que l'épreuve s'arrête et que nous puissions rentrer véritablement dans nos promesses et dans notre héritage. Ces promesses et cet héritage-là, nous les voyons. Ceux qui voient avec les yeux de la foi les voient, les sentent, les palpent, les touchent. Je ne les vois pas de loin, je les vis en réalité. Amen. Et je crois que ces choses-là, 2013, nous allons véritablement expérimenter la grâce de la prééminence si nous le croyons et si nous voulons que cela se manifeste. Amen. La prééminence est dans toute la Bible. La prééminence est une manifestation spéciale de l'Esprit de Dieu qui amène dans la vie des personnes qui la reçoivent, qui la manifestent, ce qu'on appelle un esprit de supériorité, un esprit supérieur. Amen. C'est un esprit qui va vous pousser à devenir la tête. C'est un esprit qui va vous pousser à devenir les premiers. C'est un esprit qui va vous pousser à être élevé. Quand vous prenez le mot prééminence dans le dictionnaire français, plus précisément le Larousse, ceux qui ont leur téléphone portable et qui ont des Bibles à l'intérieur, des iPads et tout ça, vous tapez prééminence dans Larousse, qu'est-ce qui va ressortir? Vous allez voir que c'est un mot qui existe dans le dictionnaire français et qui signifie supériorité absolue de rang, de dignité, de droit et de degré. Dis à ton voisin supériorité absolue. Supériorité absolue. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui reçoit la prééminence reçoit ce qu'on appelle la supériorité absolue. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où il est, quel que soit le domaine dans lequel il est, quelle que soit la sphère dans laquelle il travaille, quel que soit l'environnement dans lequel il est, il y a quelque chose qui va se manifester dans sa vie, qui va faire de lui quelqu'un de supérieur. Amen. C'est ça la prééminence. Et ma prière pour 2013, c'est que la prééminence de Dieu soit sur nous. Qu'elle se manifeste pleinement. Sur chacun d'entre nous, sur chaque membre de l'Église, nous voulons voir la prééminence de Dieu se manifester et on va la voir à l'œuvre. Mais je vais vous emmener maintenant dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, il y a le mot prééminence qui est cité nommément. La Bible dit, Genèse 49, verset 3, il dit, « Ruben, toi mon premier-né, » donc il parle à son fils Ruben, il dit, « Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. » Et ensuite il dit à Ruben, « Tu n'auras pas la prééminence. » Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. En fait, pour ceux qui connaissent l'histoire de Ruben,
ils vont savoir qu'en fait Ruben a connu une femme et qu'il a eu des rapports avec cette femme-là. Or, il s'avérait que cette femme-là était la concubine de son père Jacob. Et donc Jacob, à qui Dieu va donner l'instruction de bénir les 12 tribus d'Israël, va bénir ses enfants et chacun de ses 12 enfants. Et il va arriver vers Ruben, qui est le premier-né, qui est l'aîné. Et généralement, dans la Bible, ce sont les aînés qui reçoivent la prééminence. Les premiers-nés reçoivent. Donc, généralement, en Israël, il n'y a qu'un seul héritier. Hein. Dans une famille, il n'y a pas 30, il n'y a pas 3 héritiers, 4 héritiers. Généralement, c'est le premier-né qui hérite. C'est celui, en fait, qui reçoit la prééminence qui hérite. Mais Jacob va donc prier pour Ruben et va dire à Ruben, normalement, en tant que premier-né, tu es le prémisse, tu es le premier, c'est toi qui es l'aîné. Donc, tu devrais être supérieur en force et tu devrais être supérieur en puissance. Il dit, néanmoins, tu as posé un acte qui est répréhensible, qui est celui d'avoir souillé la couche de ton propre père en allant avec sa femme. Donc, tu ne recevras pas la prééminence. Donc, dans toute la lignée de Jacob, Ruben ne reçoit pas la prééminence. Mais la prééminence va être accordée à quelqu'un d'autre. C'est comme ça, quand vous lisez Genèse 49 et que vous descendez jusqu'au verset 22, vous allez voir un passage qui dit, au verset 22, « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est devenu le berger, le rocher d'Israël. Il est devenu le berger, le rocher d'Israël. Il est devenu celui qui a permis à Israël d'échapper à la famine. Il est devenu celui qui a opéré une grande délivrance en Israël. Il est devenu celui sur qui Dieu s'est appuyé. Et effectivement, il dit, les gens se sont ligués contre lui. Les archers ont bandé leur arc. Les gens ont voulu mettre fin à sa vie. Mais quels que soient les actes qu'ils ont posés, Joseph a tenu ferme. Joseph a été élevé. Joseph a été béni. La Bible dit au verset 24, « Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. » Au verset 25, la Bible dit, « C'est l'œuvre de Dieu ton Père qui t'aidera. » Amen. « C'est l'œuvre de Dieu ton Père qui t'aidera. » « C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. » Des bénédictions des cieux en haut. J'ai pris l'expression des bénédictions des cieux en haut. En fait, ça dit des bénédictions supérieures. Oh my God. Dis à ton voisin les bénédictions supérieures. Parce qu'il y a les bénédictions tout court, et puis il y a les bénédictions supérieures. Vous voyez, chaque frère de Joseph a été béni. Jacob n'a maudit aucun de ses fils. Il a même béni Ruben. Et il a béni chacun d'entre eux, il les a bénis. Mais Joseph a reçu une bénédiction supérieure. Donc, en d'autres mots, ça veut dire quoi? Il y a la bénédiction et il y a la bénédiction supérieure. Moi, je veux cette bénédiction supérieure pour nous. Je veux la bénédiction supérieure. Je veux la bénédiction supérieure. Alléluia. Qui te bénira? Il dit des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein. Après, il dit au verset 26, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Car qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Dit le prince de ses frères. Joseph est devenu le prince de ses frères parce qu'il a reçu la bénédiction supérieure qu'on appelle la prééminence. La prééminence a été refusée à Ruben, mais la prééminence a été accordée à Joseph. Et cette prééminence-là a fait que quand tu reçois la prééminence, même si tu es l'avant-dernier de ta famille, la prééminence que tu reçois va te positionner comme premier dans la famille. C'est toi qui vas prendre les décisions. C'est toi qui vas organiser les choses. C'est toi qui vas prendre la décision finale.
la prééminence te place au-dessus. Et comme il avait la prééminence, en fait, la prééminence, Ruben, lorsqu'il a perdu, la prééminence est venue dans la vie de Joseph. Pourquoi ? Parce que Joseph, il est le fils de... Il est le fils de Rachel. Et il est l'aîné aussi. Donc, il y a Ruben est l'aîné de l'autre concubine, et lui, de l'autre femme, et lui, il est l'aîné d'une autre femme. Et donc, quand l'autre aîné a perdu, la prééminence est venue sur Joseph. Et c'est pour ça qu'il commençait à avoir des songes. Et lorsqu'il fait un songe, il voit sa gerbe, il voit tous ses frères en train de découper leur gerbe, et puis ils viennent poser leur gerbe, et lui, sa gerbe se tient debout, et les gerbes de ses autres frères viennent se prosterner devant sa gerbe. Et maintenant, il va se lever, il va commencer à raconter ça à ses frères. Or, tous ses autres frères sont de la même mère. Et lui, il est d'une mère différente. Et eux, ils vont comprendre en disant, mais on dirait que c'est Joseph qui a reçu la prééminence, l'onction supérieure, la bénédiction supérieure, la bénédiction qui est accordée à celui qui doit dominer. Et vont dire, nous, on n'est pas d'accord. Mais quand Dieu a fait son choix, Dieu a fait son choix. Quand Dieu a décidé, Dieu a décidé. Que les hommes soient d'accord ou que les hommes ne soient pas d'accord, tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à chercher à plaire aux hommes, tu n'as pas à te plier en quatre, tu as simplement à répondre à un seul, et celui-là on l'appelle l'Éternel des armées, et lui seul il sait pourquoi est-ce qu'il a décidé de t'accorder la prééminence. En réalité, ce n'est pas ton père qui décide, ce n'est pas ta mère qui décide. Parce que Dieu a accordé aussi la prééminence à quelqu'un qu'on appelle David. Son père, on ne l'a pas consulté. C'est Dieu qui regarde le cœur. C'est Dieu qui regarde la capacité de la personne de faire des sacrifices et de s'investir dans son œuvre. Et il décide que telle personne va recevoir la prééminence. En temps normal, c'est l'aîné qui doit l'avoir. Mais il est arrivé plusieurs fois dans la Bible que l'aîné ne la reçoive pas. Et que ce soit le quatrième dans la maison, le cinquième, le huitième, Joseph était le dixième. Mais celui qui reçoit la prééminence, quel que soit l'endroit où il est, quel que soit le pays où il est, quelle que soit la situation où il est, peu importe la manière dont il est rentré, il va finir par devenir le premier. Il va finir par devenir le premier, soit il sera le premier, soit il sera parmi les premiers. Dis à ton voisin, 2013, la prééminence va se manifester dans ta vie. Dieu parle encore de la prééminence dans le livre de Deutéronome. Vous connaissez Deutéronome, chapitre 28. Regardez ce qu'il dit dans Deutéronome 28. On va revenir sur Joseph, mais lisons Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre. En fait, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner la bénédiction supérieure. La bénédiction qui te met au-dessus. La bénédiction qui te rend supérieur. C'est pour ça qu'un peu plus tard, il dira, je ferai de toi la tête. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Parce que cette bénédiction supérieure va toujours te propulser vers le haut, à devenir la tête et non la queue. Amen. La prééminence dans la vie d'un homme ou d'une femme va faire que quel que soit l'endroit, quelle que soit la manière dont il y est arrivé, il va devenir la tête. Dis, je serai la tête. Tu sais, quand tu confesses ce verset, c'est vrai, on dit de positiver, de confesser, de mettre ça au présent. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui vont confesser ça en disant, je suis la tête, je suis la tête. Mais ça, la confession ne marche pas dans ce verset-là. Il ne faut pas dire, je suis. Parce qu'il y a un signal négatif à l'intérieur de toi. Quand tu dis, je suis la tête, et puis, il y a quelque chose à l'intérieur qui dit, non, mais tu n'es pas la tête. C'est en toi-même. Tu dis, je suis la tête. Et puis, tu n'es pas la tête. Je suis la tête. Parce que tu n'as pas besoin de dire, je suis la tête. Tu sauras que tu es la tête. Pour ça, tu vas le savoir. Mais tu peux dire, je serai la tête.
Parce que Dieu s'est engagé à t'aider à devenir la tête. Il a dit, je ferai de toi la tête. Donc, tu es dans le processus, tu rentres dans une entreprise, même si tu rentres comme balayeur, comme même si tu rentres dans le service de nettoyage, l'Éternel fera de toi la tête. Je serai la tête. Je serai la tête dans mon domaine d'activité. Je serai la tête dans mon secteur d'activité. Je serai la tête. Dieu, en toi, ne peut pas te faire de toi la queue. Il va t'amener à devenir la tête. C'est ce qu'on appelle l'esprit de supériorité. Il a dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Vous voyez les Juifs, non? Nos amis les Juifs, eux ont reçu aussi cette grâce-là, cette onction-là, qu'on appelle la prééminence. Parce que certains d'entre eux sont des descendants de Joseph qui a reçu la prééminence. Ensuite, Éphraïm a reçu la prééminence. Donc, certains ont reçu la prééminence. Quand vous prenez l'industrie cinématographique, qui sont les premiers dans le cinéma? Les Juifs. Quand vous prenez le secteur bancaire, qui sont les premiers dans le secteur bancaire? Vous prenez l'assurance. Qui sont les premiers dans les assurances? Vous prenez l'immobilier. Qui sont les premiers dans l'immobilier? Vous prenez l'art, la culture. Vous prenez les grands écrivains de ce siècle. Vous prenez les grands hommes politiques, les grands penseurs, les grands philosophes. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens du monde eux-mêmes savent que c'est un peuple spécial. Mais en même temps, quand tu as la prééminence, tu attires également la colère et la haine des gens. C'est la raison pour laquelle en Europe, pendant plusieurs années, il y a des gens qui se sont levés pour pouvoir les exterminer et pour pouvoir les tuer.